Le chantier de la gare de Noisy-Champs a démarré en juillet 2017. Le dôme aujourd'hui, c'est environ 5000 m² de toiture. C'est 500 tonnes de charpente métallique. On a découpé la toiture en 45 modules environ. Ces modules sont préassemblés au sol. Et ensuite, c'est un grand Lego. On vient poser chaque élément sur des structures provisoires pour pouvoir réaliser à la fin deux spirales, deux hélicoïdes qui viennent former la toiture de la nouvelle gare de Noisy-Champs. La charpente est faite en lamellé collé, mélèze. Le mélèze est un bois naturel qui tient en extérieur naturellement, sans traitement. C'est un travail d'équipe. Ça me plaît travailler ici parce que ça va donner plus de facilité pour les personnes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et donc c'est un défi important pour nos équipes d'ingénieurs.